faire du beau, être vrai, être ce, je me vois comme ce catalyseur d'authenticité, tu vois, comme je suis là, authentique, et que ça déclenche autour cette authenticité, cette incarnation au final de ce qu'on vit, qui fait que les gens autour de moi deviennent de plus en plus incarnés et complets. C'est marrant que je dise ça. C'est comme si, si t'es incarné, tu prends la place qu'il y a dans ton corps. Du coup, il n'y a plus vraiment de vide. Ça me fait penser que quand j'ai fait là mon moi d'expression authentique, c'était mon seul focus, j'étais putain de joyeux tout le temps, sans raison. Quoi que soit l'émotion en face de moi, je faisais des circlings, je me rappelle une fois un truc hyper lourd, une nana qui se met à chialer, et moi j'étais là, cool! On va pouvoir explorer ça, elle va pouvoir vivre ce truc. Voilà, elle arrive à pleurer, c'est trop génial. Et cet enthousiasme pour tout. Et là, ce matin, j'ai posté un statut sur doit-on supprimer les êtres humains? Qui était un peu, ah putain, est-ce qu'ils m'ont pas pensé que je suis un psychopathe si je poste ça? Et rien que le fait de le poster, il y avait ces, ah, je me suis exprimé, j'étais enthousiaste, tu vois. J'ai incarné ce qui était là, plutôt que d'essayer de le cacher. Et du coup, je me sentais, bah, c'est bon, j'ai besoin de rien en fait. J'ai juste besoin de m'exprimer. Et je suis. Enfin, le je suis complet ou pas, ça, en fait, c'est même plus une question. Tu vois. C'est comme si c'était un bloc qui sortait de ma tête et. Enfin, je comprends même plus l'utilité, tu vois. C'est maintenant, je m'exprime, c'est tout. Et je peux m'exprimer à deux, comme dans le sexe, où ça va être j'exprime mon truc, elle exprime son truc, et il y a cette danse. Et c'est comme si il n'y avait pas besoin de plus que ça en fait. S'exprimer. Et je vois assez bien que à chaque fois que je suis mal, c'est quand je m'exprime pas. Quand d'une certaine façon je me rétracte. Et chaque fois que je suis solide, que je me sens prendre de la place, c'est quand j'exprime ce qui est vrai. Que ce soit un je t'aime, que ce soit un là je sens que ça me fait chier. Ou je sais pas quoi d'autre, tu vois, quelle que soit l'émotion, j'avais écrit un article là-dessus d'ailleurs, c'était comment, je crois que c'était comment se sentir fort tout le temps, un truc là, un truc comme ça. Je remarque que c'est vraiment de la bombe cet article, et que si je le suivais, je serais une machine de guerre, quoi. Une machine de guerre de l'amour. Ouais, ça me donne envie de pratiquer ça, et en même temps, à mon rythme. Là, je me sens plus complet, justement. Je me sens plus. C'est ok. Même si là, j'entends la voix qui arrive par là de. Ah ouais, mais qu'est-ce que tu vas faire de ton temps alors demain? Et après-demain, qu'est-ce que tu vas faire? Il y a toujours ce truc-là qui n'est pas réglé, mais en tout cas. Moi, ouais, je sens vraiment cet appel d'être un homme incarné. J'ai l'impression que ça peut être une bonne conclusion. Oui. Je me sens complet, je sens que. On pourrait redémarrer un truc, mais qu'on repartirait pour 1 heure. Je suis d'accord, hein. Moi, genre, je vois les idées un peu plus claires. Et tiens-moi au courant si tu dis ce je t'aime Ouais, à ta chérie. mercredi. Yes. C'est marrant, dès que j'ai dit ça, j'ai de nouveau eu cette image de. Le guerrier. Ouais. Moi je dis à la place de l'armée, on va en caleçon. Alright, Bon, ok. cool. Bah, je sais pas si on. Je sais pas, on dit un mot de la fin, genre. Mot de la fin. Wesh, j'ai une chaîne de séduction qui s'appelle Prisme. Non, donc. Je sais pas trop. Bah, c'est vrai qu'après, alors, c'était plus de la vraie relation dont on parlait, de la codépendance et tout. Mais pour ceux qui sont intéressés, bah,
pour l'étape qui est un peu avant, même si le couple c'est toujours la séduction. Donc comment être attirant, comment avoir confiance en soi, comment séduire, bah j'ai une chaîne qui s'appelle Prisme Séduction. Donc je pense on mettra le lien quelque part ou un truc comme ça. Donc si vous êtes intéressé, etc., bah, n'hésitez pas à passer voir les vidéos et pour enfin atteindre l'abondance. Bon. Ok, moi j'ai pas de mot de la fin, mais on se retrouvera bientôt. J'ai hâte de pouvoir vous partager ces vidéos-là et on se retrouvera bientôt pour les prochaines. Et merci James. Merci.